Dany Lambrouille, Stéphanie Gela et Mélodie Nouz sont tous les trois dans le taxi. En quittant Angers, le trio s'est mis en tête de retrouver Pierrick Morisme, la corneille qui avait capturé Stéphanie. Cette dernière, grâce à son passé de corbeau, a plusieurs pistes pour le retrouver. Toutes les ont conduits sur Rouen. Dany, dépose-moi là, je préfère qu'on voie pas ton taxi. Tu es sûre de vouloir y aller seule ? T'en fais pas pour moi. Je sens qu'on approche de Pierrick, dans peu de temps on va le trouver, je pense. Mais on doit faire vite. Nous, on continue d'écouter le canal de la police. Et on reste aux aguets. Fais attention à toi, Steph. T'inquiète pas, Dany, elle sait ce qu'elle fait. Elle, oui. C'est les autres corneilles qui me font peur. On nous signale un possible cadavre au niveau du quai Pierre Corneille en bord de Seine. Pierre Corneille ? C'est un peu gros. Je pense que c'est pour toi, Mélodine. Je t'y conduis. Tu restes pas avec moi ? Non. Moi, je vais travailler avec le taxi. Faut bien qu'il y en ait un qui ramène de l'oseille ici. Mais tu veux surtout t'éloigner du danger. Venez découvrir l'enregistrement public de l'épisode 2 hors saison de La Mémoire à Rangers lors du festival Chibi-Rouen, le dimanche à 11h. Dans cet épisode exceptionnel, vous pourrez voir jouer Richult, Melectric, Anso, Foxy, Thorak, Padge et Donald Renew. Plus d'informations sur le site javras.fr ou sur le site chibirouen.fr. De plus, nous faisons gagner 4 invitations sur notre compte Instagram et 4 invitations sur notre chaîne YouTube pour venir nous voir à Chibi-Rouen. N'hésitez pas à participer!